ou vini ba mon Dieu une temps des temps d'accord moi courage chaque monde qui te vini mercredi vendredi yo et chaque monde qui va venir m'prier dans grâce prier dans grâce depuis que possibilité petite fume yo zanmi yo frère yo en vini vini ba mon Dieu gloire lui même seul mérité me content et m'attend nous mercredi vendredi m'crois gagne plus monde et pour nous pour nous année 2022 pour nous grand changement fait dans l'église et nous croel et bon Dieu a fait est-ce qu'il pas quoi ça you moment comme ça m'a chante ton cantique un cantique d'amour pour Jésus you moment comme ça m'a chante ton cantique un cantique d'amour pour Jésus. Un moment, juste fermez les yeux. Invitez présence mon Dieu dans la vous matin. Avant nous dire en principal. Juste fermez les yeux, levez-moi. Ou même qui ont un problème, de l'anger, voyez jeter. Nous allons adorer mon Dieu en esprit en vérité matin. Un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'aime dit aller. Juste fais mes jours. Invitez cet esprit à venir courir. Qu'aime dit aller. Ça qu'aime dit. L'église. Tout le monde l'église a fait. Fais mes jours. Levez-moi. Magnifique présence. Nous moment. Prêtez-moi s'il vous plaît. Prêtez-moi, levez-moi. Prêtez-moi s'il vous plaît. Distévez-moi pour dire ça. You moment comme ça. Marchons ton cantique. Un cantique d'amour pour Jésus. Fais-moi sentir mon cœur. Fais-moi mon cœur disait. You moment comme ça. Fais-moi mon cœur magnifique présence de Dieu matin. Ou même qui vont te lancer, levez-moi. Ou même qui ont problème devant, qui ont barrière devant matin. You moment. Assez à poto, ma prépare, on va prier pour nous à la gloire de Dieu. You cantique d'amour. Levez-moi pour dire. Ça qu'aime. Ça qu'aime. Ça qu'aime. Alléluia. Yeah. Sacré. 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 Travers sous bien, travers sous bien. Ça qu'aime dit, ça qu'aime dit, ça qu'aime dit, qu'aime dit. Service la matin. Vraiment, bon Dieu, fais nous grâce matin. Tout puissant, le roi de gloire, nous bénissons, Seigneur. Nous devons pile merci, Seigneur Dieu, tout puissant, pour lui lenter, pour mettre nous passer en bien, Seigneur. Merci pour un pile, Père Saint. Nous bénissons pour ça. Merci pour matiner ça, Seigneur tout puissant. Merci pour arriver nous chaque dans l'espace, ça, Dieu puissant. Merci pour l'autre qui est en route, qui a venu toujours, Seigneur. Nous bénissons, nous donnons merci pour ça, Seigneur. Au matin, ça, Dieu puissant, nous venons avec l'esprit bien disposé dans un seul objectif.
pour nous bon gloire l'honneur que nous même seul mérité. Et tout puissant nous t'a aimé pour nous sentir présent sous tout. Nous venons chercher présence parce que lorsque présent dans la vie nous gain la paix. Lorsque présent dans la vie nous gain la joie, nous gain la vie en abondance. Sans présence nous pas rien. Nous pas vivre personne. Souci la vie qu'a fini avec nous, qu'a effacer la vie nous Seigneur Dieu puissant. Mais lorsque présence dans la vie nous gain toute bagaille. Au matin ça personne nous merci. Constant beau débat au puissant au service adoration ça. Nous voulons présenter au matin en personne. N'a demandé on va prendre toute bagaille en contrôle pour nous Seigneur. On va bénir tout en au appareil technique au Seigneur qui là. On va bénir cher Seigneur Dieu puissant au tout technicien yo, bénir les musiciens, bénir les membres du cœur d'adoration. Bénir chaque grain de monde qui là cher Seigneur Dieu. Bénir au Père Saint que présence soit avec nous. On va effacer disparaître tout esprit de distraction qui t'a fait nous pas chanter bien, qui t'a fait nous pas adorer bien, qui t'a fait nous pas disposer nous totalement pour nous bon gloire matin. Disparaître toute bagarre mais aidez-nous matin pour nous chanter gloire. Adorer avec tout nous-mêmes, l'esprit de nos corps, nous, nommons nous Seigneur, pour nous bien consacrer, pour nous servir, pour nous adorer. Et c'est là notre bénédiction. Tout puissant nous demander au Père Saint avec nous matin, pour contrôler toute bagaille pour nous. C'est que nous devons nous prions consacrer nos papas avec petite la Saint-Esprit. Amen. Merci. Bien, bon Dieu bénis nous. Nous allons lire Somme 147. Nous allons commencer avec ce à la gloire de Dieu. Nous appelons l'alternative. Nous allons lire un verset, nous allons lire l'autre. À la gloire de Dieu. Campé sous pion. Somme 147. N'attendons. Et n'abli alternativement. N'abli yon. Ou abli yon là. Nous rejoignons les. Amen. Presque. Y'a mon beau venu. D'ailleurs, tout pour venir. Bien. Ok. Nous allons aller pendant que nous allons chercher. Nous allons dire vive le sang de Jésus. 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 Nous bâtis. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense à leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes les noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel, Sion, loue ton Dieu. Car il a fermé les barres de la terre. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du milieu de mon mouvement. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son trône, devant son foie? Il envoie sa parole. Et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois, ses ordonnances à Israël. Ensemble. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. On va chiter à la gloire de Dieu avec le numéro 12, section française, chant d'espérance. Ton nom soit à jamais béni. Vous voulez chanter sur un saut? Si vous utilisez le téléphone, make sure que le téléphone n'a pas sonné pendant que vous chantez là.
téléphone dans 14 sous vibration, sur marie chat d'espérance, sur utiliser le chat d'espérance. Et disposer le cœur, disposer l'esprit pour adorer mon Dieu. Oh,
cette fois c'est mélodie. As-tu mon frère?
là de mettre du silence. T'es fort et grand papa nous qui dans celle-là. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions Seigneur. Nous te remercions pour grâce, merci pour une grâce infiniment que vous avez envers nous, Seigneur. Merci Seigneur de ce que vous avez fait nous passer des moments, Seigneur. Malgré nous connaissons adversaires d'après flèches, mais on est là ensemble avec nous, pas de jambes, écartez nous, pas de jambes, Seigneur. Sortir loin de nous, de toujours accompagner nous dans tout ça que nous avons entrepris. Merci Seigneur de ce que vous avez fait nous dormir, nous lever. Merci Seigneur de ce que vous avez fait nous sortir, nous entrer. Merci Seigneur de ce que vous avez accompagné nous pour nous venir dans le lieu ça, dans le lieu qui n'a pas pour vous, Seigneur. T'en prie, Seigneur, mes services là, nous lever devant vous, Seigneur. Et la vie chaque monde nous lever dans le cabaret béni. On va prendre contrôle tout ça, cliquez pour faire notre service à Seigneur. On va prendre contrôle, serviteur qui campe, Seigneur, qui dirige, qui chante des bons chants, Seigneur. Que chaque monde qui est là, Seigneur, va sentir au béni. T'en prie, Seigneur, mes corps adoration nous lever devant. Mes corps musiciens nous lever devant, Seigneur, papa. La pendant, Seigneur, va prendre contrôle tout le bagaille pour nous, Seigneur. Va quitter service à diriger selon volonté pour cap diriger, mais quitter ses volontés au Seigneur qui passait dans le service. T'en prie, Seigneur, mais la vie chaque monde qui l'a, Seigneur. Et chaque madame Maillé, chaque monsieur Maillé, jeune garçon, jeune fille, qui n'est pas ça, Seigneur, ou va contrôler contrôle béni au Seigneur. Ou va diriger la vie au Seigneur, parce que vous venez chercher un bagage que vous n'avez pas espéré. T'en prie, mon papa, nous lever au devant. Et Seigneur, tout ça qui est pour faire, Seigneur, et serviteur qui est pour faire l'exercice, Seigneur, on va prendre contrôle de la ville. Et serviteur, Seigneur, qui est pour porter un messager, on va prendre contrôle de la vie, Seigneur, et tout ça qu'il va dire, Seigneur, pas sortir selon volonté parle, mais quitter ses volontés pour qui passe. Tant pis, mon papa, on va garder la vie chaque monde qui n'est pas ça. Il y a ça qui est pour venir, Seigneur, et nous ne pas connaître, Seigneur, qui cause, qui fait pourquoi venir, mais on déjà connaît tout le bagage. On va accompagner au Seigneur. Et chaque monde qui n'est pas ça, Seigneur, on va prendre contrôle de la vie au Seigneur. Et Seigneur, nous connaissons, malgré l'adversité, malgré Seigneur, nous connaissons moments difficiles que l'homme a traversé, mais on est toujours là dans le bac la vie, nous, Seigneur, pour capable aider nous. C'est les mêmes gens côté Seigneur, ça nous dit, Seigneur, dans Matthieu 11, verset 28 là, et il y a un monde qui sentit, Seigneur, il est fatigué, il y a un monde qui sentit, il n'est pas capable encore, Seigneur, il doit porter problème, il doit porter charge, Seigneur, pour capable venir chez nous, Seigneur, ou à part au repos. Tant pis, Seigneur, on va garder. Et Seigneur, quittez ses volontés pour qu'il passe dans la vie, nous, pas quitter nous, agir selon propre volonté par nous. Même Jean Seigneur, côté apôtre Paul, a dit Seigneur, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais Seigneur, contre toute domination. Oui, Seigneur, nous capables de faire. Oui, Seigneur, bon nous force à courage, bon nous détermination, conviction pour nous marcher ensemble avant. Oui, Seigneur, mes services à nous lever devant. Et Seigneur, nous besoin plus qu'avant. Nous soyons fous, Seigneur, chaque jour. Tant pis, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur. On va diriger la vie, nous, mais l'église à nous lever devant, Seigneur. Et l'église, Seigneur, qui a espéré, Seigneur, que nous avons besoin, Seigneur, chaque jour. Côté apôtre Paul, lui-même, il a parlé dans Philippiens 3, verset 16. Au prévu où nous ne sommes pas venus, marchons de même pas. Oui, Seigneur, l'église là, Seigneur, et chaque monde qui n'est pas ça. Et nous abandonnons pour nous capables de nous unité de foi. Pour nous capables d'unir nos Seigneur, nous ne pas chercher l'église qui désunit. Nous cherchons l'église qui unit. Parce que nous avons un seul maître, un seul Seigneur, un seul Jésus-Christ. C'est elle pour nous marcher. Même Jean côté l'a dit dans Jean 10, verset 30, qui dit moi et mon Père, nous sommes un. Pour l'église est capable de faire un seul Seigneur, pour nous capables de rencontrer dans les heures. Tant pis, papa. Gardez-nous, Seigneur. Et bon nous même esprit, Seigneur, pour nous capables de marcher. Même Jean Seigneur côté Salmiste a dit dans Somme 91, verset 1er, c'est lui qui demeure sur la boutique de repose. Alors il dit tout puissant, Seigneur, oui, fais-nous cacher en bas grâce. Fais-nous cacher en bas zélou. Seigneur, ou même qui a tout pouvoir. Faut nous marcher ensemble avant. Nous n'avons pas l'autre monde pour nous capables de cacher en bas zélou, c'est au sel. Parce que malgré nous qu'on ait problème, malgré nous qu'on ait situation, malgré nous qu'on ait Seigneur, l'ennemi a tiré flèche sur nous. Mais avec le sang de Jésus, on est mal pas qu'arriver nous. Mais l'église à Seigneur, nous cherchons l'église Seigneur. On l'église capable de restaurer. Restaurer l'église à. Restaurer l'église à Seigneur. Nous, l'église à Seigneur. Nous mettons l'église qui est capable de régénérer. T'en prie, Seigneur. Gardez-nous, assistez-nous. Nous t'en prions ça dans le nom précieux de Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vive le sang de Jésus.
Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Bien, merci, Campé Soupio. Nous allons donner lecture par Sœur Daline. Campé Soupio avec Bible ouverte. Nous allons donner lecture par Sœur Darlene. Bon Dieu béni nous. Nous prenons le pour matin, c'est dans Psaume 92 à la gloire de Dieu. Psaume 92. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend soin garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'a point en lui d'iniquité. Parole du Seigneur. Merci au maître Chita. Donc nous allons interpréter le chant que vous avez fait là. Nous parlons si frère Odès vient déjà. S'il vient, il a fait mon qui va gagner au jeune feuille parce qu'il y a une quantité de feuilles qui était dans la main. Donc s'il va venir, mon qui va faire, on va chanter ensemble avec nous à la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Tranquillement, nous allons adorer ensemble à la gloire de Dieu. Kevin Bonnet, tu as fait une répétition avec eux. C'est à plus ou moins capable d'aider nous à la gloire de Dieu. Captain M. Bichien, si vous avez fait, vous êtes capable de chanter avec un monde qui collait ensemble avec vous. Je fléchis le genou.
frappez-moi, ma bonne gloire, les mecs des louanges. Frappez-moi, les louanges, les mecs des adorations. Si vous avez fait matin, nous sommes vivants pour nous adorer. Frappez-moi, campez sous pied, et puis frappez-moi, ma bonne gloire, les louanges, pas nos adorations. Fais ça avec Dieu, fermé. Fais ça avec Dieu, fermé. Frappez-moi, 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 frappez-moi. Frappez-moi, frappez-moi. Les mecs des gloires, les mecs des louanges. Frappez-moi, frappez-moi. Frappez-moi, 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 frappez-moi. Yeah.
Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchons à sa droite. Avec nous, la paix, bon Dieu avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour grâce de faire nous ensemble la matinée et surtout dans l'occasion et pour nous présenter au temple. Et c'est bien la petite Sarah Anna Naika Katura Simon. Alors, plusieurs noms en pile. Nous disons bon Dieu en pile merci pour cadeau ça qu'elle baille à famille ça ou bien coupe ça. Comme on connaît bien nous, comme l'habitude, nous toujours faisons un petit coup de méditation et on va nous présenter et enfant au Seigneur. Et on va rappeler au bien dans la portion écriture, ça, c'est bien Proverbe chapitre 22, le verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, on connaît bien, c'est une obligation de bien instruire les enfants ou votre enfant. C'est une obligation. Et la Bible dit comme ça que c'est une responsabilité que chaque parent gagne pour instruire ses enfants. Et instruire ses enfants, c'est une voie qu'il doit suivre. La voie du Seigneur, la voie de Dieu. Et moi, je dis ça déjà, ce n'est pas facile pour un petit monde né dans une famille chrétienne pour le devenir. Il y a des délinquants qui ont des problèmes. Cap troublé et monde là cap bay problème dans monde là difficile pour si moun fête dans famille chrétienne après ça pour elle là et pour elle gon gros âme dans elle pour devenir un gang cap bay problème tout partout c'est difficile lorsque la bible dit instruit si moun nan, la bible gen pile raison pour ça oui bah, même si même l'aime pas ta déterminer m'pas ta énumérer raison yo gantan wè pour corps
Faut un coup de Dieu voir dans le monde pour comment ça passer, spécialement dans le pays pas nous. Comment ça y est? L'autre monde mal élevé, si monde pas formé ou pas instruit monde là. Qui sont dim, sont veulent dim encore. Qui sont préparés, qui sont gagnés pour l'avenir. Si monde qui dans monde qui sont pensés pour lier à l'avenir, qui ça le pour aller à l'avenir. C'est ce qui met l'amour pensé il, mais l'amour pas formé, mais l'amour pas aidé. Instruit c'est formé, c'est orienté, ou bien c'est lui un paquet de bagages qui est vraiment important. Si toutefois chaque parent qui a qui gagne un petit monde que bon Dieu baille un petit monde baille dans couple comme un cadeau, c'est une obligation, c'est un devoir pour instruire petit monde. Et si toutefois pas instruire ou mettre dans tête tout le cas devenir porte bagage demain, du capable troubler la paix monde, baille problème dans société là. Et laisse ça au même tout et c'est la honte pour même. C'est la honte pour même comme papa comme maman qui t'a élevé petit monde, ça c'est la honte pour même parce que la fois honte quand même mettre mes en tête oui tôt ou tard ou pour honte quand même ou crier parce que puis devant la fois honte ça qui depuis bonheur c'est depuis bonheur petit monde doit commencer instruit depuis bonheur et il y a monde qui même dit depuis même au berceau on doit commencer instruit petit monde donc parler petit monde en pile bagaille il y a parfois pour me finir rapide il y a monde. Il y a une plus bonne formation pour les gens. Tenez bien, il y a une plus bonne formation pour les gens. Ça va comportement pas ou même personnellement. Et pas seulement l'on parle de gens toute la journée. Tel bagaille. Mais ou même, comment on vit? Qui j'ai des paroles qui sont dans la bouche? Ou est-ce que les gens ont dit ça? Un observateur. Ou bien l'a observé. Ça, maman, tout le monde, tout ça, maman, fait le bon. Et quoi, les gens? Tout ça, papa, fait le bon. Tout ça, papa, fait bon. Tout ça, maman, fait bon. Et lui-même, ce qu'on a fait, tout ça, il n'y a pas de problème pour le faire tout. Parce que pour lui, il est bon. Puis, bonne formation, on parle en cabane, c'est dans le comportement. Dans la façon de parler, la façon d'habiller pendant que les petites jeunes filles parlent là. La façon où foncer des bagages devant, c'est d'action devant. Si, excusez ma expression, si je veux retourner, c'est foot ou abdi. Et quand on le dit, il est dans la bouche de l'abdi, tout. Tout ça, il est bon pour lui. Je souhaite nous bien comprendre. Donc, soyez très comprendre parce que Jean Bagay yo pralé jeudi à Namond là yo bay tristesse yo bay la peine et monsieur de chaque pan qui là ti moun pa bien levé il a une bénédiction pour même et pour société à tout nous pralé faire prière à la gloire de Dieu. Avant de présenter ti moun yo temple n'a demandé parents et Sarah. Est-ce que vous voulez offrir Sarah comme offrande de bonne odeur à Dieu? Oui. Oui, pasteur. Est-ce que nous prenons disposition pour nous instruire selon la voix de Dieu? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Nous allons prier avec lui. Nous allons faire un petit campé sous pied pour nous faire prier avec lui à la gloire de Dieu. Pas de problème. Quand on est campé, priez bon Dieu pour l'enfant. Je vais mettre mes sous-têtes. Le Tout-Puissant, au berger fidèle, nous bénissons, nous exaltons, cher Seigneur Dieu. Merci en pile, Père Saint, laisse pour enfants ça que vous baillez avec, à coupe ça comme un cadeau. Papa, nous disons merci pour ça. Et maintenant, nous supplions au Père Saint, vous va bénir enfants ça. Maintenant, nous présentons le baou comme une offrande de bonne odeur. Nous supplions au Père Saint, vous va recevoir pour nous comme petit tout. Depuis aujourd'hui, que saut sous lit, que met en sous lit. Depuis aujourd'hui, Père Saint, nous supplions que Dieu toujours sous lit, pendant la grandie, Père Saint, que Dieu va toujours sous lit. Que vous va prendre contrôle la ville, Seigneur. Et que tout puissant va grandir la caillou. Mande au Père Céleste matiné, ça, Père Saint, bal toutes sortes de grâces et de bénédictions. Bénis le cher Seigneur du puissant, au point de vue spirituel. Bénis le Père Céleste tout puissant, au bal santé, cher Seigneur. Mande au bénis, bal la santé, Seigneur. Et nous demandons au Père Saint, bal yon capacité vif. Père Céleste, avec une loge qui est capable du puissant aller à l'école pour apprendre. Et pour capable du puissant devenir quelque chose dans la vie, ça. Pour le capable de bénédiction ni pour maman ni pour papa. Et nous supplions au Père Céleste Tout-Puissant, va bénir parents, va parents de sagesse, va beaucoup comprendre. Et demande au Père Céleste, va aux possibilités économiques, va aux moyens économiques, pour être capable de bien élever, pour être capable de pouvoir tout besoin. Père Saint, enfant d'amour, nous remettons le barreau, nous levons le barreau, nous consacrons là-même. Nous remettons tout le barreau, on ne va pas petit lac cet esprit. Amen. Bon Dieu béni, nous merci. Merci beaucoup, Pasteur Thomas. Après, madame Frère Hugo, à la gloire de Dieu, qui a fait annonce au Pasteur pour à la gloire de Dieu. Frère Hugo.
pasteur. L'église, bon Dieu, bénis où? On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Salut mon bokoto la dit, moi content au nom de Jésus. Parce que ça fait une semaine ou pas wel, gen moun ou fait un mois ou pas wel. Peut-être moun ki bokoto la fait ou fait plus que moi ou pas wel. Mais il est bon pour saluer, il pour dire content wel. Non non, Jésus. Et n'a pas rappelé que l'église à la mission de l'église universelle organisée de Jésus-Christ, mission de l'église universelle organisée de Jésus-Christ et sigla c'est Meuojek. Donc nous avons une page Facebook qui c'est Meuojek ou bien mission de l'église universelle organisée de Jésus-Christ ou même qui peut être abonné à page ça. N'a pas invité pour capable faire ça. Nous pas seulement dans Kilikoula, nous dans l'autre commune telle que Païné et San Bernardo, Poudawel, Conchali. Donc si vous habitez dans zone ça, n'a pas invité pour capable toujours rendre l'église là en visite. N'a salué quelques membres l'église là que nous pas trouvés. Qui c'est Fred Hyperville, nous content ouel matin qui est avec nous, il était malade. Et matin nous content que l'église là ensemble avec nous. Nous content ouel frère Adner que gain quelques jours nous pas ouel. Et dimanche là nous t'ai demandé prière pour famille Paul Vérité et me content ouel frère Paul Vérité matin qui est avec nous. Frère David tout dimanche là Frère David Enso qui pas de avec nous parce que petite il était malade nous content wel matin hein, nous content wel famille là nous content wel frère Voltaire tout frère Voltaire Romulus qui gagne quelque temps que nous pas wel mais matin hein, nous content wel n'a saluer tout internautes yo monde qui assister nous par moyen Facebook tel que pasteur Adrien Joubert nous saluer frère Junior sœur Maxo ou bien sœur Mylène Davilus, sœur Louis Darline, Liline Adrien, Robu Denbert, Abela Lafont, Wilfried Saint-Iné, moun sa yo se yo mte fonti gade, se yo mwen ki ap suiv nou. Gen lòt moun kap suiv nou, men nou salue tout moun net en général kap suiv nou à travers page Facebook l'église la matin. Nou di yo ke bon Dieu béni yo en abondance. Pour nous fait annonce, nous gagnons pasteur Thomas qui t'a remis rencontré avec Mounsayo après service là. C'est sœur Wilfried, frère Dodo, frère Ba, frère Paul Vérité, frère David Enso, sœur Figénie Romain, frère Jerry Saint-Héron, frère Nobert, frère Sophonie. Pasteur Thomas t'a remis rencontré avec nous pour une rencontre importante, pour une communication importante. Après service là matin nous t'a remé ouais moun qui visite nous n'a demandé au capable font ti camper et l'église capable lier connaissance ensemble avec yo tout moun qui visite l'église à matin n'a demandé au camper nous gagne une deux pas gagne l'autre visiteur encore on nous commencer à applaudir parce que nous gagne pile visiteur matin nous bénissons le Seigneur pour ça nous gagne 4 5 6 7 8 9 10. Nous avons 10 visiteurs matin, nous bénissons le Seigneur. Nous avons pile visiteurs et nous disons bienvenue. Malheureusement, visiteurs nous excusons auprès de vous-même, nous ne pouvons pas parler parce que c'est comme ça le principe de l'église. Mais nous comptons voir matin et nous disons bienvenue et nous t'as souhaité revoir encore. Merci, nous mettons Chita pendant l'église à applaudir nous. On l'a foi. On l'a foi. Donc c'est ça, nous comptons ouais, chaque visiteur qui avec nous matin. L'autre annonce que nous gagnons, c'est pour service la semaine. Yo. Et moi félicite les gens qui viennent parce que je me sens que la quantité a commencé à augmenter et je me sens la quantité a augmenté toujours. Ou même depuis un petit temps, si pas le travail le soir, si pas dans tout notre fais effort pour venir dans le service de prière ça yo parce que grand pile temps pour la prière le dimanche pas gagne pile temps vrai pour la prière mais dans semaine nan, dans service semaine on gagne temps pour prier on gagne temps pour prier pour famille au service yo fait mercredi 10h 8h pour 10h pm et vendredi
8h pour 10h PM. Moi invite chaque monde qui attendait moi là, chaque monde qui attendait moi à travers page Facebook là, qui c'est membre l'église là, qui habite qui dit là, moi invite pour venir dans service de la semaine qui c'est mercredi 8h pour 10h PM et vendredi 8h pour 10h PM. Culte dimanche yo même c'est de 8h30 jusqu'à midi. Donc moi invite toujours faire effort là capable pour participer dans service la semaine yo et pour capable participer dans service dimanche yo. Donc nous invite pour capable faire ça en pile et là très important pour capable faire ça. J'aime nous te dire le dimanche là jour qui réservé pour présentation au temple c'est chaque troisième dimanche et ça fait jeudi à capable nous te gagne en présentation au temple parce que c'est jour ça qui réservé pour et présentation au temple. N'a toujours conseillé sur ça et moi féliciter nous tous parce que moi en pile fois les m'a regarder l'église là vraiment moi gagne fort qui fait les m'a regarder temple là les m'a regarder à terre moi gagne en pile fort qui fait parce que nous te conseillé monde sur ça parce que respect temple là important soit manger un bagaille sous venir un petit monde ou bal manger un bagaille pas quitter li jeter la terre ça c'est très important pour capable kembe temple là propre. Moi félicite pour ça parce que nous te dit ça et ou respecter ça. Nous avons continuellement des prières pour Mounsayo, qui c'est frère Ange Nord, qui gagne maman qui mourit, et frère Osnak qui nous parle quelque temps l'église là, qui était gagne papa le mourit, non, entend tout. Sœur Milan Damius, sœur Dani, sœur Anit, sœur Mamoun Victor, et l'autre monde qui nous pas cité non, nous avons réclamé les prières l'église là pour Mounsayo, parce que nous c'est en famille, ça est très important. C'est nous une prière pour l'autre, parce que pas gagné en rien. La prière pas qu'à faire. La prière c'est une grande puissance. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Et nous gagnons. Nous gagnons Mounsayo que nous t'ai cité matin, que nous t'a aimé rencontrer. Je ne vais pas réciter encore parce que je n'ai pas de temps pour me capable faire ça. Et ça fait m'a pas encourager chaque membre de l'église à faire effort pour nous participer dans l'école dominicale. Dans l'école dominicale, parce que l'ISM cité c'est après l'école dominicale moi cité yo, c'est qui l'ISM c'est tout le monde qui était inscrit sous base de données l'église là, nous relever au nom cahier et nous vérifier nous ensemble avec yo après service là m'a demandé priorité moi m'a cité matin yo, c'est ou même on pas là ou capable rester tout pour capable connaître est-ce que non on était dans l'ISM là, parce que nous avons registre que nous fait pour tout membre l'église là. Non seulement nous te voyons en ligne pour tout le monde qui est inscrit, mais nous relever dans retour dans cahier pour nous capable ouais réellement est-ce que monde ça qui est inscrit sur le link là, est-ce que réellement c'est monde qui persévérer l'église là, parce que on doit voir le link là doit tomber dans mon monde et puis il remplir et puis monde n'a pas jamais rien à ouais à l'église là, ça fait nous relever dans cahier. Donc toujours faire effort pour vivre bonheur parce que chaque après leçon dominicale m'a cité des noms qui étaient remplis les clans et puis pour me capable vérifier est-ce que monde réellement fait partie l'église là, est-ce que c'est monde qui persévérer l'église là. Nous pour aller faire offrande m'a invité pour capable commencer mettre main en poche garder côté offrande là pour capable faire ça et m'a toujours encouragé ou pas faire ça avec deux cœurs sou pas senti ou kabay offrande pa bay. Même si tu as 10 000 pesos, 20 000 pesos dans poche pour ta bay, ou cœur pas, ou pas senti cœur pour bay li, pa bay li, kembe kobou dans poche. Parce que sou bay li avec yon cœur gros, li pa piti loin yen. Ou de fel avec yon bonne volonté, avec tout cœur. Car la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il dit dans Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il y a des gens qui prennent comme cap, serré comme. Donc, il dit, les gens qui prennent serré comme ça, ils ne sont pas songés pour partager à l'autre monde. Donc, c'est appauvri, il n'y a pas appauvri tête. Mais les gens qui baillent libéralement, les gens qui viennent plus riche. Fais mes yeux, nous pour prier. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, bon Dieu fait au sentir nécessité pour bailler offrande matin pour adorer le Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous salmodions, nous bénissons, ou même qui digne de gloire, ou même qui omniscient, omniprésent, omnipotent, ou même qui c'est grand Dieu de l'univers. Car la Bible dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Oui, c'est avec vous toute bagaille qui est sous terre, c'est pour vous, yoye, Seigneur. Tout ça nous gagne en tant qu'être humain pour nous fonctionner, c'est vous qui bannez nous. Parce que si vous n'avez pas créé pour nous, nous n'avons pas besoin de nous pour nous servir. C'est vous qui créez toute bagaille avant de créer nous en tant qu'être humain. Vous créez toute bagaille, vous mettez à disposition nous avant de créer. Donc c'est vous qui faites, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, ce n'est pas nous qui venons à faire, c'est vous qui bannez nous. C'est pour nous dire, Seigneur, l'argent qui vient dans nous en tout, c'est vous qui bannez nous. Caille nous gagne, c'est vous qui bannez nous. Machine nous gagne, c'est vous qui bannez nous. Nous disons merci d'être au banoul. Mais dans un moment, ça, cher Seigneur Dieu, nous vivons un moment pour le partager dans ça que nous gagnons pour dans l'œuvre, Seigneur. Nous demandons au Baba nous grâce. Fait que chaque monde qui va déposer une offrande là, on va multiplier le par 100. Chaque monde qui va bailler 100 pesos, 1000 pesos, 10 000 pesos, on va multiplier le par 100. Et on va bénir en abondance en retour, Seigneur. Bénis-nous, cher Seigneur Dieu, pour le mouvement ça que nous pouvons faire. Que grâce soit capable de couvrir nous, que soit capable de gréter avec nous, que soit capable d'accompagner nous, que soit capable de bénir nous en abondance dans toute bagaille, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, Seigneur, que va bénir chaque monde qui va déposer une offrande matin. C'est comme ça nous prions, non en vertu de nos mérites, mais dans le précieux nom de ton Fils Jésus. À lui soit l'orange et gloire dans tous les siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse pendant que vous avez levé, venez débosser au front. Bien, n'a pas ajouté pour vous. Si tu as un monde qui a une licence A2 ou bien A3, licence professionnelle, et après ça, tu as venu avec nous à la gloire de Dieu. Et nous t'encourageons, si vous avez plus que 2 ans avec licence B, si vous avez une licence professionnelle, même là, vous avez un plan pour lui, faites la utile. Vous avez une offre gratuite, vous n'avez pas payé pour ça. Donc, vous avez une formation, vous pouvez sortir en licence A3, c'est tout fort que tu as gagné. Et 2 ans avec une licence, nous sommes sûrs que le pape regrette. En ce qui concerne les 7-7 ans, le premier 7-7, nous avons été le premier 7-7 de l'année, nous avons fait grâce, nous avons bâillé avec tout le monde. Donc, nous avons le principe de l'église. À partir du mois prochain, nous avons appliqué tout le principe de l'église. Ça veut dire si tu es tout le monde, nous avons baoul, nous avons toutes conditions. Si tu pas voilé, nous avons baoul. Et nous avons fait annonce pour pouvoir venir, pour nous retourner. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons chanté le numéro 27, section française, chant d'espérance. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux à la gloire. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Sur la terre.
Pour nous t'aider, frère Ko qui porte un petit provision pour nous. Nous allons qui ça le voter. Donc, restez en attente. Nous disons pas troubler, que le téléphone nous restez sous silence ou bien sous vibration pour en rien pas déranger pendant frère Ko à pas approcher et la porte un petit bail pour nous. Nous allons le voter, accueillir, nous sûr que la porte un petit bail pour nous. Nous allons écouter, remet, tenter. Que bon Dieu nous, que bon Dieu gâteau. Bonne écoute avec frère Rico Jean Simon. Merci.
Encore une fois, bon Dieu bénit l'église là. Yeah, alors, pasteur t'a proposé pour me te faire yon l'autre sujet, mais malheureusement, et de trouver l'important, yon dimanche matin, yon service, yon culte d'adoration, il est préférable que nous fassions un sujet qui ait un rapport à la parole de Dieu. Bon Dieu béni vous. Et avant moi commencer, m'a invité l'église là dans mariage Louis Darlene et Romain Daniel, couple que nous t'ai présenté dimanche qui s'est passé. Un mariage là la fête samedi si Dieu veut. Donc sou capable venir encourager eux, ces deux jeunes, ou capable faire ça à la gloire de Dieu. Donc n'a pas invité l'église à mettre le debout, nous parlons ensemble dans Philippiens 2 le verset 2. Philippiens 2, verset 2. Pour le monde qui a la Bible, Louis II, c'est page 1191. Ben, on va citer pour être capable de venir. Philippiens 2, verset 2. Vous y êtes? Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Merci, nous mettons Chita. Exposé, nous pourrons le faire, c'est un exposé qui est très long, mais nous pourrons le faire fort pour nous capables de résumer, parce que nous n'avons pas gagné en pile temps. Sujet, c'est à l'unité parfaite en Christ. Bon Dieu béni, c'est à l'unité parfaite en Christ. Dictionnaire, il définit unité comme étant le caractère de ceux qui forment un tout, dont les diverses parties constituent un ensemble indivisible. Elle se définit aussi comme un état harmonieux dans les relations humaines. L'unité joue un rôle fondamental parce que c'est elle qui a permis aux différentes nations qui sont indépendantes aujourd'hui de réaliser leur indépendance, prenant le cas d'Haïti. Toute institution qui réussit a toujours eu comme appui ou bien comme apport l'unité de ses membres. Si l'unité revêt une telle importance pour la société, combien à plus forte raison le sera-t-elle pour nous qui sommes le peuple de Dieu. Bon Dieu béni, soyons parfaitement un en Christ. Moun ki bon koto la, pramel di, soyons parfaitement un en Christ. Redis encore, soyons parfaitement un en Christ. Mais à quel niveau pouvons-nous être parfaitement un en Jésus-Christ? Eh bien, à la lumière du passage que nous venons de lire, le passage biblique, nous allons révéler quatre niveaux sur lesquels nous pouvons être parfaitement un en Jésus-Christ. Premier niveau, c'est l'unité dans les sentiments. L'unité dans les sentiments. Apôtre l'a dit, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. Comment nous sommes capables de définir sentiment? Nous définissons sentiment comme étant une capacité qui nourrit par de l'émotion. Le sentiment, c'est une capacité qui est nourrie par de l'émotion. Si nous prenons par exemple la haine, c'est un sentiment qui nourrit par émotion, ça qui c'est colère, dégoût. Nous sommes capables de prendre l'amour. L'amour lui-même, c'est un sentiment qui nourrit par émotion, ça qui c'est affectivité. Donc, apôtre l'a dit, ayant un même
sentiments. Soyons un dans nos sentiments, les uns envers les autres. Dans cette partie du verset, l'apôtre veut nous faire savoir que nous devons manifester de bons sentiments. Nous besoin manifester de bons sentiments nous l'un envers l'autre, parce que gain de mauvais sentiments tout, c'est ça lui dit. Nous devons manifester de bons sentiments, des sentiments qui nous apprennent à respecter l'autre. Sentiments qui apprennent nous pour nous respecter l'autre monde. En pile fois, ça qui source de conflits entre moun ak moun, c'est manque de respect. C'est manque de respect. D'abord, m'a dit, en tant qu'être humain, dans nous-mêmes, nous connaissons, dans nous-mêmes, en tant qu'être humain, nous sommes source de conflits. Être humain en soi, c'est une source, en dedans, il y a des conflits. Mais nous besoin surmonter conflits, ça. Et ça fait, apôtre Paul dit, nous besoin gagner un même sentiment, de bons sentiments, sentiments qui apprennent nous respecter l'autre. Sentiments qui apprennent nous supporter l'autre. Ce n'est pas seulement respecter, mais supporter l'autre monde. Parfois, caractère au monde par rapport à vous-même, contraire à ça où tu as voulu des monde. Et ça qui compte fait que vous ne respectez pas. Mais apôtre l'a dit, nous besoin supporter. Nous besoin apprendre supporter. Quand nous disons respecter l'autre, cela ne veut pas dire faire de la bassesse, mais avoir un sentiment d'humilité, de douceur et de sagesse. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de faire du tort à notre frère. Nous n'avons pas le droit pour nous faire tort à frère nous, parce que nous avons besoin de respecter. En pile fois, nous connaissons des gens, surtout les Haïtiens. Moi, je suis ça parce que c'est Haïtien mieux. En pile Haïtien, les a joué à l'autre. Ou toujours, elle a cherché gros paroles, piment beaucoup paroles, coup ça dit non paroles, ou elle a cherché gros paroles pour le dire l'autre là. Pour le montrer qu'il est supérieur avec l'autre là. Pour le montrer qu'il n'y a pas de respect pour l'autre là. Donc, en tant que membre de l'église, nous-mêmes, nous avons besoin différents. Nous avons besoin d'un caractère qui est différent. Si on dit nos mauvaises paroles, nous-mêmes, nous devons chercher une parole douce. Parce que la Bible dit une parole douce, calme. Ah, mais attendez, une parole douce, calme, la fureur. Donc, si on joue, je ne vais pas gagner pour chercher un plus gros mot pour me jouer. Nous devons chercher une parole de douceur qui est capable de calmer. Ayant un même sentiment. Les chrétiens que nous y sommes, nous devons gagner le même sentiment. Et c'est ça qui pourra le faire. Et les gens qui ne pas convertis, ils pourront le voir nous-mêmes, nous différents de eux-mêmes. Pour nous qui sommes chrétiens, des enfants de Dieu, cela ne doit pas être ainsi. L'homme dit cela ne doit pas être ainsi. Je ne peux pas chercher parole qui est mauvaise pour m'a dit frère, je dois chercher bonne parole. Soyons un en Christ. Soyons un en ayant les mêmes sentiments. Apôtre l'a dit dans Philippiens 2, verset 5, nous devons nous revêtir d'entrailles et de miséricorde. Nous besoin gagner miséricorde pendant que nous avons cherché pour nous youn dans le sentiment. Donc, l'église, je vous invite au matin, chaque monde qui est là, pour nous faire effort, pour nous rejoindre nous ensemble dans le sentiment. Nous, sentiment d'amour. Au lieu des sentiments de haine. Sentiments d'affection. Au lieu des sentiments de haine. Pas oublier, je te dis, sentiments, li apprennent moi pour me respecter l'autre là, pour me supporter l'autre là. Parce que si pour brûler, déchouquer, dépouiller, les gens savent s'unir. Mais nous, en tant que chrétiens, pourquoi? Pour qui ça nous pas capable d'unir nous pour nous construire. Et nous, en pile fois, ça va passer dans le monde là. Il est plus facile pour nous unir, pour nous détruire, pour nous déchouquer l'image pays nous. Il est plus facile, mais nous pas unir pour nous construire. Nous pas unir sentiment pour nous construire. Nous-mêmes, nous besoin unir sentiment nous. C'est ça fait nous du matin. Hein. Soyons parfaitement un dans notre sentiment. Non seulement nous devons être parfaitement un dans notre sentiment, deuxième niveau, c'est
soyons parfaitement un dans l'amour. Soyons un dans l'amour. Le Seigneur Jésus, à travers son enseignement, a toujours insisté sur l'amour réciproque. Prenons par exemple quelques passages bibliques. Si nous t'apprends Jean 13, verset 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est ça Jésus dit. « Remets, nous devons remets une l'autre, même Jean, moi-même, moi remets nous. Nous devons remets une l'autre. » Jean 13, verset 34. Et dans Jean 15, verset 12, il dit encore, aimez-vous les uns les autres. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons nous aimer en suivant le modèle divin qui a porté Jésus-Christ à se sacrifier à la croix. Même Jean-Jésus, remet-nous en pile, il est d'accord pour lui offrir tête, pour souffrir, pour le crucifier sur la croix. Pour qui ça, moi-même, avait, nous ne pas suivre le modèle ça. Pour qui ça matin, moi-même, avec, nous pas qu'à ce modèle, ça, Jésus-Christ, qui était pour nous. Et Jésus-Christ a dit dans la parole, c'est le plus grand des commandements. Aimez-vous les uns les autres. Soyons parfaitement un dans l'amour. L'Église-là a souffri, je ne le dis. Pour qui ça? Parce que moi-même, avec, nous pas mes frères, nous accès, nous vrai. Nous tout prêts pour nous critiquer. Nous toujours chercher bagay qu'elle fait, bagay yon frère faire qui mal, bagay soeur a fait qui mal au lieu que nous chercher ça qu'elle fait qui bien pour nous éloger. Soyons parfaitement un dans l'amour. Et c'est ça que fait l'Église perd du puissance, je vous dis, parce que l'amour est refroidi. Pour ne pas dire pas gagner l'amour même encore. Pour ne pas dire pas gagner l'amour même encore. Pour qui ça, au lieu de chercher mes frères, moi chercher des tuiles. Pour qui ça, parce que mon frère m'a prospéré, au lieu de mettre, au lieu de prier pour lui, au lieu de comme si apprécier ça l'a fait, c'est en façon m'a passé pour me détruire, pour montrer que ça l'a fait pas rien. Pour qui ça? Pour qui ça m'obliger diaboliser un monde qui a fait effort sur le plan économique, qui gagne corps, qui gagne l'argent, pour qui ça m'oblige à diaboliser? Parce qu'il gagne l'argent, parce qu'il gagne corps, c'est le diable qui fait le gagne corps, et c'est le diable qui travaille le monde l'argent. Or, la Bible dit à l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Soyons parfaitement un dans l'amour, mes bien-aimés. Nous devons aimer frère nous, soeur nous. Nous ne devons pas railler, nous ne devons pas critiquer. En plus de fois, l'Église n'a pas qu'à avancer, c'est parce que nous ne devons pas aimer frère nous, soeur nous, bien aimé. Nous disons aimer dans la bouche, mais ne pas prouver avec action que nous aimer réellement. Bon Dieu, bénis-nous. Parce que aimer, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dire aimer frère, mais il faut me prouver dans l'action que je fais avec mon aimer. Soyons parfaitement un dans l'amour. Frères et sœurs, si nous sommes unis dans l'amour, non seulement cela permettra de gagner plus d'âmes perdues pour Christ, mais cet amour rendra également fort, nous rendra également fort dans un monde rebelle face à la volonté de Dieu. Donc si nous aimons vraiment, ça rend nous fort dans la volonté de Dieu. L'amour est plus qu'un simple sentiment. Non seulement cela est plus que, j'aime te dire là, l'amour est plus fort qu'un simple sentiment d'affection. C'est une attitude qui se révèle dans l'action et d'une façon permanente. Ouais, c'est un sentiment qui se révèle dans l'action et d'une façon permanente. C'est pas un bagage comme si me font action pour me prouver que moi même femme, mais après action ça, me pas faire l'autre action encore. Puisqu'il était en harmonie avec moi, il me fait belle action en faveur. Mais cool pas en harmonie avec moi encore, bon, je ne pas venir. Je ne pas venir. Moi, je connais pas facile pour aimer, parce que il faut qu'on ait un grand niveau pour être capable de faire ça.
Mais la Bible dit nous matin, nous besoin remet une l'autre. Mes amis, en pratiquant cet amour, notre entourage verra réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Car Jésus l'a dit lui-même, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. C'est ça qu'on fait l'autre monde qui n'est pas converti, l'autre monde qui dehors, ouais, vraiment, que nous sommes monde Jésus, c'est lorsque nous aimons nous une l'autre. En Pierre, chapitre 4, le verset 8, l'apôtre va nous dire que nous devons avoir un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Nous besoin l'amour qui est abondant, qui est fort, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça fait me comprendre, l'aimer, ça a évité que je tombe dans le péché. Ou là l'église, l'aimer aimer frèmement, ça a évité que me critiquer c'est péché. L'aimer aimer frèmement, ça a évité que me tombe dans le péché. Lorsque j'aime mon prochain, je me garderai de dire du mal de lui. Je me garderai aussi de l'offenser. Au contraire, je vais user de compassion pour lui. L'aimer aimer frèmement m'a évité pour me dire bagaille mal de lui. M'a évité tout pour m'offenser. Au contraire, m'a fait effort pour me compassion pour lui. Les moi li dans situation qui grave. M'a fait effort pour me miséricorde pour lui. Les moi li dans situation qui grave. Soyons parfaitement un. Dis moun bokoto là encore, soyons parfaitement un. Non seulement nous devons un dans les sentiments, un dans l'amour, et troisième niveau, c'est soyons parfaitement un dans l'âme, l'unité dans l'âme. Et ça fait l'apôtre de dire, ayant un même sentiment, un même amour et une même âme. Une même âme. Je définis âme comme étant l'ensemble des dispositions intellectuelles, affectives, morales qui forment l'individualité de l'être humain. L'ensemble des dispositions intellectuelles, affectives, morales qui forment l'individualité de l'être humain. C'est l'ensemble des capacités intellectuelles et dispositions morales qui fait que ou unique ou différent de l'autre monde. Soyons parfaitement un même niveau dans notre âme. La Bible nous rapporte dans le livre des Actes, chapitre 4, le verset 32, que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Vous entendez bien? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il dit multitude. Nous-mêmes sommes calmés devant multitude là. Donc, nous besoin parfaitement un dans l'âme. Et moi, ça me parle même dans verset A, elle dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Est-ce qu'on est capable de dire ça pour l'église aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on est capable de dire ça? On réfléchit bien pour nous. Est-ce qu'on est capable de dire ça pour l'église, nous, aujourd'hui? Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Cela veut dire, mes bien-aimés, que notre âme doit être foncièrement attachée avec l'âme de notre frère, avec l'âme de notre sœur. Nous besoin marcher dans l'unité. Donc, c'est ça. L'église divisée, je ne veux dire, l'église qui est faible, je ne veux dire, parce que nous pas unis. Parce que nous pas unis. Et nous, ouais, l'église a multiplié, l'église sous l'église. Quatre l'église, une face à l'autre. Voisin. Et ce n'est pas ta problème pour toute l'église à Otabaye, non?
Mais gardez pour est-ce qu'il y a une harmonie entre quatre églises. Ils sont tous basés sur une question pas plus bon. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Mais bien aimé, nous besoin unis dans l'âme nous. C'est ça la Bible dit, nous besoin unis au niveau de notre âme. Soyons parfaitement un. Et quatrième niveau, c'est soyons parfaitement un dans l'unité de la pensée. Dans l'unité de la pensée. Nous devons avoir une même pensée, c'est-à-dire notre objectif doit être un objectif commun. Nul ne doit chercher à détruire l'autre lorsqu'il le voit faire des progrès. Objectif, nous devons un seul objectif. Je ne peux pas comprendre pour nous non seul l'Église, pour nous gagner des objectifs différents. Or, nous sommes seul l'Église. Objectif nous, yo doué commun. Parce que nous tout ap travail pour qui est? Pour un seul maître. Bon Dieu béni, oui. Si nous travail pour un seul maître, pour qui ça objectif est obligé différent? Pour qui ça nous chaque obligé pour un objectif différent par rapport à l'autre sur le plan spirituel? Parce que nous tout ap travail pour un seul maître. On va prendre avis au capable différent, idée au capable différente, mais objectif là doit être unique. Bon Dieu béni. C'est vrai nous capable bien des idées différentes, mais objectif là nous confronter idée, il doit chita sur un seul objectif. Soyons parfaitement un dans l'unité. Frères et sœurs, la vie chrétienne est un combat permanent. Et l'unité constitue une arme, une force puissante pour empêcher au diable de régner sur nous. L'Église, parce que c'est pour établir son règne que Satan installe la division dans l'Église. Vous entendez? C'est pour capable pour capable régner, ça fait des fois installer division dans mi temps nous bien-aimés. Il place dans notre esprit toutes sortes de mauvaises mentalités, toutes sortes de malices pour nous empêcher d'être unis. Parce qu'il sait que si nous sommes unis, il sera totalement vaincu. De ce fait, bien-aimés, nous devons être parfaitement un en Jésus-Christ. Si nous sommes parfaitement unis, nous aboutirons à l'unité de l'esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Du même coup, à l'unité de la foi, Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Nous besoin unis pour nous capables d'aboutir à tout objectif ça, qui c'est mener monde dans le ciel pour Jésus-Christ. Nous venons de voir quatre niveaux de l'unité. Premier niveau, c'était, j'aime te dire, c'est soyons parfaitement unis dans nos sentiments. Deuxième niveau, c'est soyons parfaitement unis dans l'amour. Et troisième niveau, soyons parfaitement unis dans l'âme. Et quatrième niveau, c'est soyons parfaitement unis dans nos pensées. Que bon Dieu bénisse et de passer une bonne journée. Très bien, merci. Nous remercions Frère Eko. Bien. Nous avons donc une grande parole. Dans ce maintenant, nous avons fêté l'anniversaire d'une catastrophe qui a environ 12 ans. Nous connaissons tous nos pères du monde. Donc, une famille qui détruit complètement. Moi, je connais des gens qui ont perdu. Ça veut dire qui ça? Pour ça, je me rappelle. Ça veut dire jour et l'eau côté. Malheureusement, il y a des gens qui ont mouru et l'église. Nous avons travaillé pour l'église de Dieu du Centre. Si nous connaissons la chorale, l'église de Dieu du Centre, dans le ciel, la grande bye. On chante que tout le monde remet. Si vous avez un grand qui sont venus, pas de répétition. Les abritis, ils devant bout par bout, en bas des corps, dans l'école, quand on a fait répétition, c'était catastrophe. Ça veut dire un seul bagaille. Jeudi et pour vous, ou pas contre demain. Ouais, bon, cet après-midi, comment ça va venir? Ça veut dire qui ça? Si vous êtes là, vous pouvez accepter Christ comme sauveur,
Nous pouvons chanter pour nous prier, pour nous terminer. Vous pouvez approcher, nous prier avant, parce que demain, si vous n'êtes pas pour, vous pouvez nous commander un service. Chantez avec nous, 280, on met campé, 280, section française, Jean d'Espérance. Nous avons chanté pour nous capables de mettre fin dans ce service-là, avec Pasteur Thomas qui a prié par bénédiction pour nous, à la gloire de Dieu. Dang, 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 dang. Dang 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 tout le monde est 280. Donc nous sommes d'abord même le bas de connaître avec Chanamon, nous sommes après avec nous. De Jésus entends-tu la voix divine appel d'amour. Très important.
qui a prêté pour moi à la gloire de Dieu. Tout puissant, mon berger fidèle, nous te remercions, Seigneur. Nous bénissons. Car dès le début, nous demandons au Père Saint pour faire nos grâces pour avec nous. Pour permettre que tout le bagage passe en bien. Oh Père Saint, merci. Merci encore, Père Saint, pour, Jean, pour la façon que vous te bénis nos matins. Céleste tout puissant, nous bénissons. Nous te remercions pour ça. Nous avons la vie spirituelle, nous demandons pour merci que nous avons toujours été avec l'esprit bien disposé, Seigneur. Bannez-nous l'esprit bien disposé parce que vous avez déjà dit nous que nous ne pouvons pas oublier. Quoi nous-mêmes, quoi nous papa. Pas qu'il y ait nous puissants qui sont faibles et inébranlables là-bas pour ne pas avoir peut-être nos problèmes pour rien, pas qu'on nous traque pour rien. Mais pour nous toujours être avec l'esprit bien disposé en attendant tout puissant, notre grand jour, tout puissant, glorieux retour. Tout puissant, nous demandons au Père Saint, pour pouvoir bénir chaque monde qui est là. N'espace ça. On va mettre grâce sur vous, on va mettre bénédiction sur vous, on va conduire vous, on va aller traverser maintenant bien. Tout ça, on va faire puissant. Lorsque vous prenez sur le travail, on va protéger vous puissant dans la rue, dans la machine du puissant. On va prendre vous pour aller protéger vous, Seigneur. Dans le travail là, puissant, on va avoir protection dans le travail là. Et que on va toujours puissant gagner reconnaissance envers vous. Vous toujours dans l'espace ça, vite pour gloire. Tout puissant, nous voter sous-même. Nous mettons tout le bagage là-haut. Merci spécialement pour vous. Serviteur qui décampé dans le moment ça, qui déparle dans l'or. On nous va plus sagesse, va plus quoi, va bénédiction. On va instruire plus versin, avec va gagner plus encore pour bail. Donc merci pour nous de servir avec nous. Merci pour nous de servir à chaque monde qui tape, qui a joué un rôle dans ce service là. Nous nous merci pour ça. Merci pour chaque monde qui la caillot, qui tape sur avec nous. Nous bénissons pour ça. Merci de mettre tout le bagage là-bas. On a respiré le Seigneur. On va plus que ça nous demander, on va plus attaquer le monde qui vous le dit. Mais nous réclamer grâce et faveur au nom de ton fils Jésus-Christ. C'est la prière, mais non, puis là, qui est mort pour nous, qui récite et qui a prié pour tout temps et toute éternité. Amen. Que l'Éternel nous garde. Qu'il nous délivre. Délivre nous, Seigneur. Qu'il nous protège. Protège nous, Seigneur. Qu'il nous sauve. Sauve nous, Seigneur. Qu'il nous sauve. Sauve nous, Seigneur. Qu'il nous sauve. Sauve nous, Seigneur. Ô Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude de nombreuses avances contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Maintenant qu'il appelle la grâce de Dieu. L'amour du grand Dieu le Père, la douce communion du vrai l'Esprit Saint, soit de meilleur et repose chacun de vous, dès maintenant et pour toujours. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Pas oublier, mon moi te cite nous, s'il vous plaît. Mon moi te cite nous, il hein? Y a passé dans sous chaise rouge, yo. M'attend nous, nous mettons une chita. Sous chaise rouge. Mon sa yo, c'est Adrien Eslen, Adrien Rouvier. Webster Wolf à l'abri, Johan Alexandre Pétion, Osnak, Franz Rosier, Jésus Ben Calix, et Darlene Chérubin, Johan Chéri, Monique Labise, Junior Cola, Marie Chéla, Jésus Duperville, Patricia Duperville, Erla Dorélien, José Dornius, Yves Dessous, Estaba, Christine, Nathalie Philemon, Elda et Javi. Musicien, vamos.